Ok les gens, j'espère que vous avez la forme, c'est Viker. On est sur Dying Light 2 Stay Human. Et vous savez, mon objectif c'est quoi avec ce jeu? Parce que j'y joue beaucoup et ça me prend beaucoup de temps à y jouer forcément. Et après à faire le montage des vidéos, les miniatures, le upload sur le tube, etc. Sur YouTube, pardon, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et mon objectif c'est vraiment de le terminer avant l'arrivée des prochains gros jeux que je vais faire également sur ma chaîne, qui sont Horizon, Forbidden West, Horizon 2, qui va être un très très gros jeu également. Et finir également le mois de février avec Elden Ring qui arrive, qui va être aussi un gros jeu. Donc clairement là, ce mois de février, ils ont tout mis. Ils ont mis tous les gros titres de 2022, en tout cas en ce début d'année. Ils ont tous mis en même temps au mois de février, entre mi-février et fin février. Il y a tout qui sort, donc c'est challengeant. Mais franchement, qu'est-ce que c'est du plaisir également. C'est que du plaisir. Mais voilà, j'essaie vraiment d'être consistant et de vous envoyer des vidéos, d'épisodes tous les jours, avec comme objectif de terminer l'aventure avant l'arrivée d'Horizon. Tout en, bien sûr, se faisant plaisir en fait. Tu vois, j'ai pas envie de rusher le jeu, et juste parce qu'il y a d'autres jeux qui arrivent derrière, j'ai envie aussi de me faire plaisir et de vous délivrer de bons épisodes. Enfin, assez parlé les amis, on va continuer l'aventure. N'oubliez pas de poser votre petit like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et c'est parti. Yo les gens, c'est Viker, j'espère que ça va. Je viens de remarquer un truc, c'est qu'en fait, les habits que tu mets à Aiden dans le jeu, en fait, il les a sur l'écran titre. Il a fallu attendre au moins plus de 10 épisodes pour que je m'en rende compte. Mais effectivement, que ce soit les gants, les lunettes, etc., c'est exactement ce que tu lui mets dans le jeu. Et en fait, c'est voilà, c'est ses habits sur l'écran titre. J'aime bien les petits détails comme ça, mais franchement, voilà, tant que j'y suis, franchement, bravo Techland, parce que... si un jour vous passez sur une de mes vidéos, je voulais vous féliciter parce que vous avez vraiment fait un jeu de ouf. On prend super beaucoup de plaisir à y jouer, donc voilà, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour votre travail, les amis, et que ça continue comme ça. Pensez bien à liker la vidéo, hein, et ça aide vraiment la chaîne, et à vous abonner bien sûr à la chaîne pour voir les prochains let's play. On va continuer l'aventure, c'est parti. Les amis, je viens de démarrer l'enregistrement et... oh, regardez, il y a un mec qui... il y a un mec qui court. Attendez, on va faire un truc. Hop.
J'ai connu des marcheurs. Pourquoi il... Wow, j'arrive pas à l'attraper. Les amis, il faut qu'on rejoigne Juan. On va continuer l'aventure toujours avec les lampes UV. Je pense qu'on va bientôt devoir escalader la plus haute tour du jeu. Ça s'annonce épique. Ok, donc là on rejoint le bateau des pacificateurs, le QG des pacificateurs, il est juste immense. En fait, quand t'as plus de d'endurance là avec le parachute, tu tombes pas net, mais tu perds complètement le contrôle. En fait. Le retour du courant sera le tournant. Allez. De guerre. Il paraît que les ingénieurs des pacificateurs travaillent sur ça. C'est tellement grand ce bateau, à chaque fois que tu dois aller voir quelqu'un dans le bateau, tu dois faire tout le tour. Cette guerre avec les renégats n'a aucun sens. Allez, je crois qu'il est en bas. Dans sa piole. En plus lui il est vraiment dans le fin fond du bateau. Quand tu dois aller voir Juan, c'est vraiment le bout du monde. Allez. On y arrive, voir ce coquino de Juan là. Imagine-toi que j'ai obtenu une information préliminaire. C'est... cool, je suppose. Mission accomplie. Chut. Tu sais ce que c'est, Eden? On dirait... des crottes de souris? De la chevrotine? Dios, qué triste. C'est des œufs, Aiden. Tes poules sont vraiment minuscules. Des œufs de poisson. De beluga, pour être exact. Tout droit venu de mer Caspienne. Laisse-les fondre sur ta langue, et tu sentiras le parfum des vagues d'une lointaine et profonde mer noire. Le monde déborde de merveilles, de sensations, de beaux garçons et de jolies filles. Mais les pauvres types sans humour voient rien de tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire ? On peut pas être fan de machination politique et profiter de la beauté du monde en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les Jack, Matt et Aiden du monde. Dommage que t'aies choisi le mauvais camp. Le seul camp qui compte, c'est le mien. Ça a pas l'air marrant. Je suis pas fan de solitude, moi. Est-ce que Matt t'a dit ce qu'il comptait faire de ses lampes sans électricité ? Et est-ce qu'il t'a parlé de sa mission suicide ? C'est ce que je pensais. Prends ça et appelle-le. Dis-lui que les lampes seront livrées à la station de télévision. Pat, les lampes sont prêtes. Compris, Aiden. Bon boulot. J'espère que Juan ne t'a pas causé d'ennui. Juan a pas beaucoup, mais je peux m'en occuper. On fait comment pour prendre la station sans courant ? Juan a dit que la station télé n'avait pas d'électricité. À quoi peuvent bien nous servir ces lampes si on peut pas les allumer ? Juan cherche à foutre la merde. T'en fais pas pour ça. Aiden, le moment est venu de se retrouver pour voir comment se débarrasser de cette sale antenne. Attends mon signal. Bien. Reçu. J'espère que t'as rien contre l'autorité, Aiden. Parce que Jack adore donner des ordres. T'éloigne pas de ta radio. Tu seras bientôt informé de la rencontre. Occupe-toi de ces deux-là pour moi, d'accord ? Retard de livraison, ok. Effectivement, hein, j'ai pas donné raison à Juan, hein, je le trouve un peu bizarre et pas forcément de confiance. Mais en même temps, il a l'air de savoir beaucoup de choses, j'espère que j'ai fait le bon choix. Vous avez des points de compétence non utilisés, ok. Alors, compétence, un point de combat, un point de parcours, oh.
pendant un saut, ok. Foncez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'endurance. Maintenez... Ah, je sais pas pourquoi les touches sont les touches du clavier. Je joue sur PC, mais avec une manette, mais... Ok, on va faire comme ça. Hop, on va mettre ça là. Servez-vous de l'élan en attaquant les ennemis pour les projeter sur le côté. Quand vous tombez sur des ennemis, donnez-leur un puissant coup de pied. Pendant une parade, chargez un ennemi que vous faites tomber au sol. Ah, je sais pas quoi prendre. Bloquez les projectiles tels que les couteaux et les flèches. Ouais, ça, ça a l'air marrant, ça. Par contre, je pense que je vais relancer le jeu parce que c'est un peu perturbant d'avoir les touches du clavier tout en jouant avec une manette. Jouer mon chou. Démarrage ni vu ni connu et c'est réglé le petit bug. Alors du coup la mission là c'est attendez l'appel de Matt. Donc du coup je pense que c'est le bon moment pour faire quelques quêtes secondaires que j'aurais pas eu le temps de faire et notamment une qui m'intéresse beaucoup, c'est celle avec Aitor. Regardez, alors là c'est une quête niveau 4 et je suis niveau 3. C'est bon à savoir, il faudra peut-être s'XP un peu. Donc voilà, on avait vu effectivement dans un autre épisode que Aitor avait eu un gros problème, grièvement blessé. Il faut qu'on sache ce qui s'est passé. Donc rendez-vous sur l'état... renseignez-vous sur l'état d'Aitor et on a une récompense. Cette récompense est cachée, dépendra de vos choix durant la quête. Et Aitor, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aidé quand même, qui nous a beaucoup aidé également dans l'aventure. Donc j'ai envie de savoir ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a mis dans cet état là. La dernière fois qu'on l'a vu c'était dans le tunnel pour nous rendre ici hein, la boucle centrale. Et Waltz l'avait complètement éclaté et on l'avait pas revu depuis. Medical Bay, ok. Non, Steven, ce n'est pas une marchande d'aide qui décidera du sort de mon mari.
C'est pour ça que tu as un diplôme de médecine? Pour aller voir les charlatans et leurs remèdes magiques? Écoute, on n'a pas de médicaments. Les herbes sont notre seule chance. Mon mari s'est battu pour vous pendant des années. Vous devez aller chercher des médicaments pour le sauver. Pas des herbes qui risquent de l'empoisonner. C'est l'heure de partir, les enfants. Comment il va? Aitor est résistant, mais il a besoin de médicaments. Et ça, malheureusement, c'est ce qui nous manque. On a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Après l'attaque chimique, certaines plantes ont acquis des propriétés curatives. Elles fonctionnent comme un antibiotique. Mais... les gens ici ont des avis tranchés sur les guérisseurs, mais on peut difficilement leur en vouloir. Les guérisseurs populaires donnent des conseils judicieux, mais il est parfois difficile de les suivre correctement. Si tu oublies quelque chose, cueilles la mauvaise herbe ou utilises le mauvais dosage, alors au lieu d'un médicament, tu donnes du poison. C'est souvent arrivé. Parce que si quelqu'un manque une des étapes de la recette, ça peut le tuer. Exactement. Mais il suffit d'écouter attentivement les instructions du guérisseur et de les suivre. L'herboriste que je connais a du talent. Elle est le seul espoir d'Aitor. C'est quoi le problème de sa femme? Les superstitions ont la vie dure. Margaret a aidé beaucoup de gens partout dans le monde. Certains ne veulent simplement pas l'admettre. Je peux t'aider. Tu nous rendrais un grand service. C'est terrible ce qui s'est passé au vieux Vildor. On a perdu tellement de monde. Pour autant que je sache, Aitor est notre seul témoin. S'il meurt, on saura pas ce qui s'est passé là-bas. Exactement. Où est-ce que je peux trouver ce guérisseur? Sur l'île de Culver. T'inquiète pas, tu peux faire confiance à Margaret. Ok, donc on va aller chercher des médicaments pour notre cher Aitor. Donc il y aurait eu une altercation au vieux Vildor et on sait pas trop ce qui s'est passé. Mais on a besoin d'Aitor justement pour savoir ce qui s'est passé là-bas. Et puis de toute façon, nous, notre but c'est quand même de le sauver, hein, ce pauvre vieux Aitor. J'espère que Jack Matt va négocier avec ses enfoirés de renégats. J'ai pas envie de... Alors... on se retrouve tous à la cantine. Rejoins-nous. Compris. Quête mise à jour en direct. Ça, c'est la quête principale. Mais on va quand même faire la quête secondaire qu'on a commencé, les amis. Et ensuite, on ira voir Jack Matt pour la suite de la quête principale. Allez, go. Un peu de parcours, ça fait pas de mal. Ouf. Yes. Heureusement que j'ai la compétence qui permet de pas trop se faire mal quand tu tombes. Baby, ça c'est stylé. Des zones putrides, toxiques. On va éviter de marcher dessus. Hein. Ah bon, en plus, c'est super rapide. T'as, je crois que t'as 3 secondes pour sortir, sinon c'est bon. Hop là. Ah oui, j'étais déjà allé là dans une mission principale. L'île de Culver. C'était il y a pas longtemps. Hop là. C'est une urgence. Y a quelqu'un? Qui est là? J'ai un homme qui a vraiment besoin d'une guérisseuse. Chut! Elle dort. Elle va bientôt se réveiller. C'est une urgence. Margaret a besoin de repos. Elle se tue à la tâche à cause de ces maudits renégats. Ok, je comprends.
Mais c'est vraiment une urgence. S'il vous plaît, réveillez-la. La vie d'un homme est en danger. Il y a intérêt. Si je découvre qu'il a juste la gueule de bois, je vais la réveiller. Mais vous devrez encore attendre. Je vous ai jamais vu avant. Comment vous avez su où nous trouver ? Les pacificateurs. Alors vous avez pas sonné à la bonne porte. Partez. Vous l'avez pas tous assez fait souffrir ? On a un visiteur, Gérard. J'arrive dans une minute. C'est un pacificateur ! Je suis pas un pacificateur. J'essaie seulement d'en aider un. C'est la même chose pour moi. Laisse-le entrer, Gérard. Je suis juste un messager. Un docteur m'a envoyé, il s'appelle Steven. De nos jours, les médecins évitent les guérisseurs. Utiliser la médecine alternative entacherait sa réputation. C'est déjà le cas. Il m'a envoyé vous voir contre la volonté de la famille de cet homme. Et dites-moi, qui est le mourant ? Il s'appelle Aitor. C'est un haut gradé. Margaret, non. Si quelque chose tourne mal, c'est toi qu'on accusera encore. Mais si tout se passe bien, c'est peut-être une chance d'aider plus de gens. Ça veut dire que vous allez m'aider ? Je n'ai plus les plantes dont il a besoin. Mais je peux vous dire où les trouver. Vous allez chercher une fleur qui s'appelle la recluse. Elle pousse dans un sol imprégné de boue toxique. Vous pourrez uniquement l'accueillir en toute sécurité la nuit, lorsque ses pétales brillent. Mais il ne faut pas l'accueillir n'importe comment. Seuls les petits pétales ont des vertus curatives. Méfiez-vous des gros pétales. Ils contiennent un poison mortel. Vous vous en souviendrez ? Les petits pétales guérissent, les gros empoisonnent. Je m'en souviendrai. On va le regretter. Je te le garantis. Ok. Donc il faut que ce soit la nuit. Hé, Lawan, j'ai besoin de ton aide. Évidemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis à la recherche d'une plante qui s'appelle la recluse. Ah ouais ? Je la connais. Et je crois que ces drôles de fleurs poussent près du canal, au nord du pont All Saints. C'est là que je chercherai à ta place. C'est une piste. Et tu ferais peut-être mieux d'attendre la nuit. Oh, merci. Ciao. Donc cueillez 3 pétales de recluse. Par contre, il faut que ce soit la nuit. Est-ce qu'il n'y a pas une planque pas très loin ? Attends, on va regarder où on est sur la carte. En plus, c'est juste à côté. Ouais, il y a un moulin là. Hop, on va aller là-bas d'abord. Pour passer de la nuit. Tac. Hop, hop. Oh, c'est tellement bien de pas avoir de dégâts de chute. On peut pas sauter trop non plus, mais... Alors, elle est où là ? Je crois que c'est là-dedans. Ah tiens, on va déjà ouvrir ce coffre là. Sûrement des trucs cool à l'intérieur. Ouais, ça passe. Attendez jusqu'à la nuit. Voilà. Et du coup, pas oublier de prendre les petits pétales et pas les gros, sinon on va tuer Aitor et là, c'est la merde. Ok, c'est bon. Alors, je crois qu'en plus, on n'est pas très loin. A priori, tiens, on va prendre ça. Alors, ok, c'est juste là. Cueillez les pétales de la nuit. De recluse de la nuit. T'en vois rien. Hop, c'est bon. Ok. Euh.
Ah, je les vois, ok. Il y a un hurleur évidemment juste à côté. Ça, c'est les gros pétales. Attends, c'est quoi la différence entre les gros et les petits là? Ok, c'est bon. On a les trois. Décider du meilleur traitement pour Aita. J'espère qu'on a pris les bons. Hein. Wow. Je peux pas passer par là en plus. Wow, c'est stressant. Décider du meilleur traitement, putain, ils nous mettent la pression là. Oh, j'ai raté. C'est-à-dire que si je me trompe, je peux le tuer. Ça, c'est chaud. J'espère pas me tromper. Allez, run, run, run. Esquiver en fuite. Allez, on monte. Ok. Non, 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 je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça. Pas du tout. Et on remonte. Je voulais sauter en parapente en vérité. Allez, normalement, on peut y arriver direct. Yes. Ah, par contre, je vais partir en live, j'ai plus d'endurance. Laissez-moi passer. Jusqu'à aujourd'hui, je pensais que les renégats n'avaient aucune chance contre nous. Je sais pas si je suis loin de la fin du jeu. Je pense que on n'est pas ultra loin non plus. J'ai l'impression qu'on a fait peut-être plus de la moitié, je sais pas. Mais après, de là à dire combien d'épisodes il reste, j'ai aucune idée. Après, je pense que même une fois que j'aurai terminé le jeu, je vais continuer à faire les missions secondaires, les trucs la nuit aussi, ça a l'air vraiment cool. Les anomalies du GRE. Trouver les inhibiteurs, les trucs comme ça. C'est vraiment un jeu qui donne envie de continuer. Allez, c'est maintenant. Comment va le patient? Il commence à se réveiller. Merci pour ton aide. Tu peux y aller. Attends. Qu'est-ce qui se passe ici? T'es allé voir cette sorcière, hein? Cette Margaret? Oh. Soit on dit j'ai jamais rencontré de sorcière, soit elle m'a donné les plantes. Non, on va dire qu'elle l'a... Je pense qu'elle veut nous aider, quoi. Elle m'a donné des plantes qui pourraient l'aider, c'est pas une sorcière. Les sorcières n'existent pas.
C'est de la superstition. Superstition ? La sorcellerie est un crime ! Je t'en prie, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe ? On le perd. Aiden, donne-moi ces plantes. Ne donne pas le poison de cette sorcière à mon mari. Je peux lui faire une injection pour le stabiliser. Mais ça ne durera pas longtemps. Tu lui as dit à qui était destiné le remède ? Elle a tué ses hommes. Elle aurait dû être pendue, mais Jackmat a demandé à Aitor de lui brûler les yeux. Quoi ? Tu lui as dit ? Elle t'aura donné du poison, je te le garantis. Aiden, donne-moi les plantes, bon sang. Oh mon dieu, attendez là. Je donne les petits pétales. Elle a dit que les petits pétales, ça allait le soigner, mais la femme est en train de nous dire qu'elle a volontairement intoxiqué les hommes d'Aitor. Les gros pétales, mais du coup c'est peut-être l'inverse. Je refuse de donner les plantes. Demandez à la One. Attends, on peut demander. On va demander à la One. Attends, je dois demander à quelqu'un. Dépêche-toi. Hé, hey, la One, t'es là ? Aiden ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu sais quelque chose à propos de ces pétales ? Ces pétales, il y avait quelque chose. Attends, Frank m'a dit une fois que certains pétales étaient médicinaux. Lesquels ? Les petits. Les petits pétales guérissent. Je m'en souviens maintenant. Merci. J'avais peur que quelqu'un m'ait induit en erreur. Aiden, qu'est-ce qui se passe ? Je te dirai ça plus tard, désolé. Alors ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ok, bon écoute, ça fait deux personnes qui nous dit les petits pétales, donc c'est bizarre, mais on va dire les petits. Comment va-t-il ? Il semble que le remède soit aussi efficace que je l'avais espéré. Il a besoin de repos, on devrait le laisser tranquille. Je serai pas loin. On dirait que t'avais bien cerné Margaret. Elle voulait pas l'empoisonner finalement. Oui, on dirait bien. Dans combien de temps il sera rétabli ? Des jours, des semaines. Il est solide et plutôt en bonne santé. Donc des jours semble le scénario le plus probable. Tant qu'on le laisse se reposer. Je suis sûr que sa famille voudra être à ses côtés. Quête annexe terminée. Booster de rage, 1000$. Waouh. Les amis, il semble qu'on ait sauvé Aitor. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je savais vraiment pas quoi faire comme choix. Mais merci à Lawan encore une fois qui nous a... Matt ? Quoi de neuf ? Je voulais te remercier officiellement. Aitor va mieux. Si t'avais pas été là, il serait encore dans le coma. Ou pire. Je suis content qu'il aille mieux. Moi aussi. Lui seul sait ce qui s'est passé au vieux Vildor. Et bientôt, grâce à toi, je le saurai aussi. Terminé.